Hello guys, ça a fait en forme. Est-ce que tu connais sur entremité pour définitiva? Est-ce que tu connais est-ce qu'on sous entremité pour visa temporaire? Est-ce que tu connais sur arriver à 50%? Est-ce que tu connais sur arriver à 99%? Est-ce que tu connais sur arriver à 100%? Yo va jamais voyer pour aller payer résidence. Est-ce que tu connais qui ça vous devez? Ou pas de compte qui ça vous devez. En même vina promotion sur Moodle.com pour faire. Donc, pour le Moodle.com, vous faites une demande pour voir le bas Estandelia ou remplir un formulaire. Vous voyez le bas Estandelia. Estandelia même pour le voir et que le vendez ça va ou pas email pour aller payer résidence correctement. Bien, Moodle.com vous fait ça. Vous faites ça ou pas aller sur Google. Ou sinon, vous allez sur Google, aller sur Google.com, vous allez demander vous-même. Là, il vient en bas de chez ça ou avec écrit. Vous avez écrit www.estandelia.com.cl. Je vais vous dire que vous cliquez. Et puis là, vous avez là, comme ça, vous cliquez dans la deuxième option là, qui dit tramité Estandelia. Je vais cliquer là. Et puis là, vous avez là, vous faites un bon petit dessin en bas net. Et puis là, il y a là, il y a marqué Repréhension Obden de Hero. Si là, c'est là, pas là. C'est l'option ça, ou une disque là. C'est une option ça, disque là. Et puis, en bas là, on va ici, on va marquer tout, il marque Initial là, on clique là. Et puis là, il y a là, on va remplir, formuler ça correctement. Première option, les deux, Los Dato. Ingresser, vous cliquez dans l'air là, c'est quoi qui dit sélectionner là. Vous tapez dans la première, dans la première option qui dit L, titre là, de los datos ingressados. Vous cliquez sur lui. Dans la deuxième option, il dit comme ça, primer nombre. Vous avez écrit ou non. Dans la deuxième option, il dit secondo nombre. Optional, là il n'est pas obligatoire, ou qu'à quitter là comme ça, ou qu'à quitter ça vite, parce que nous-mêmes ici nous avons des noms. Dans des troisième option, les double email appelido, on va mettre signature là. Et puis en bas là, les deux, secondo apelido optional ou ka quitter sa vite toujours. Depuis côté marqué optional, il n'est pas obligatoire à quitter là. Et pour pas là, en bas là, au petit côté qui dit numéro de passeport. Pour que moi mettre mon numéro passeport là. Exemple. Et puis on va descendre plus bas. En bas là, il est tout comme ça. País auto del pasaporte. On va cliquer là. On va chercher non pays. On va chercher si Haïti ou moi, on va chercher Haïti. On va mettre Haïti là dans la correcte. On va chercher Haïti là où mettre. Là, côté qui dit sous documento identidad. Là, on va cliquer là, côté qui dit al chifo. On va cliquer là, on va le prendre. Ou va le prendre premier paye passeport là, faut scanner le mettre sous téléphone ou on va cliquer là pour le prendre sous téléphone ou là. Et puis on va cliquer là. Voilà bon affiche là, on clique là. On va chercher côté affiche. OK, et puis on va prendre passeport ça. Et vous pouvez sélectionner. Cliquez et puis on fait mettre là, vous mettez les documents passeport, vous descendez plus bas, vous cliquez là, vous mettez email. Vous mettez un email là, en bas là, il y a deux sélectionnels de tramité. Vous cliquez là, vous cliquez sélectionnel. Vous pouvez choisir pour qui ça va tramité, si vous mettez là correctement, même pour résidence. Ok, vous finissez là, vous avez sélectionné tout le détail, vous avez vu là, vous avez dit, vous avez signé ça, vous avez accepté. Il va le voir certificat ça va ou pas email et pour venir là en dernière option on va leur dire siguiente et pour faire tout le bail là correctement
et puis tout bail pour que nous capable payer cette bail ça pour que capable venir résidence rapidement. Et bien c'est là nous mettez fin la vidéo avec aussi la nous TV. Si vous voulez plus d'informations, ciao ciao, on se revoit dans une autre vidéo. À la prochaine.